Salut, c'est Fred. J'espère que tu vas bien. J'enchaîne, ok? Pour moi, j'enchaîne les vidéos. Toi, il s'est passé un, deux, trois jours, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, je te présente aujourd'hui un bouquin. Ça faisait un moment que j'avais pas parlé de livre. Et puis celui-ci, en fait, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Tu le reconnais peut-être parce que j'ai interviewé son auteur. C'est Mon Burnout, ma descente au paradis. C'est un livre de Nicole Dubois. Donc, je te mettrai dans la description de la vidéo le lien vers l'interview. Comme ça, tu pourras voir l'interview de Nicole. Voilà, c'est quelqu'un de super. Et donc, elle a écrit un super bouquin qui s'appelle Mon Burnout, ma descente au paradis. Je suis en train de le lire. Il est vraiment extra et je te le recommande vivement. Donc, pareil, dans la description de cette vidéo, je te mettrai ce qu'il faut pour pouvoir commander le bouquin, ok, te le procurer. Là, tu vas pas le trouver sur Amazon ou des trucs comme ça. De toute façon, moi, je déteste ces trucs-là, donc voilà. Mais même chez le libraire de ton coin, tu n'arriveras pas à trouver ce bouquin. En fait, pour le commander, il faut directement passer par l'auteur elle-même. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, tu auras ses coordonnées pour pouvoir prendre contact avec elle et commander ce super bouquin, Mon Burnout, ma descente au paradis. C'est une histoire géniale. C'est vraiment chouette qu'elle ait mis ça sur papier, qu'elle ait été guidée en fait pour coucher ça sur papier. C'est vraiment super. Merci beaucoup d'ailleurs à ses guides, infiniment. Merci. Parce que voilà, c'est le genre de bouquins qui sont à lire, qui sont utiles pour tout le monde, de quelque façon que ce soit. Qu'on comprenne ou pas, de toute façon, c'est le genre de livre qui fait bouger des choses. Donc voilà. Je te lis quand même le quatrième de couverture. Elle explique, de toute façon, dans l'interview, tu auras encore plus d'infos. Je t'invite vraiment à voir l'interview, elle est vraiment super. Mais je te lis quatrième de couverture, au cas où est-ce que tu te dirais, ouais, j'ai pas trop envie de regarder l'interview, machin. Ok. Donc, elle nous écrit, à 53 ans, Nicole a tout pour être heureuse. Un mari qu'elle aime, de grands enfants, un petit-fils et un travail qui la passionne. Elle en a gravi toutes les marches et a pratiquement atteint son objectif final de carrière. Quand, en 2015, elle s'effondre. Elle ne sait pas que commencent pour elle et son mari de longs mois de souffrance qui vont les engloutir jusqu'à toucher le fond. Mais, dans le même temps, ils vont découvrir un univers inconnu dont ils ne soupçonnaient pas l'existence et qui va balayer toutes leurs croyances et leurs certitudes. Tu as demandé quelque chose, si tu l'acceptes, tu guériras. Philippe ne sait pas de quoi elle parle, mais tout de suite, j'ai la réponse. Le don de ton grand-père. Tu as toujours voulu le don de ton grand-père. Il était rebouteux. Commence pour nous une période d'espoir un peu irréelle, où se mêle la joie d'avoir découvert ce don et des possibilités qui pourraient s'offrir. Cependant, depuis le début, il dit qu'un matin, comme par miracle, il se lèvera guéri. Demain sera peut-être le jour du miracle. Voilà, c'est tout ce qui est écrit derrière. Il est génial, il faut le lire ce bouquin. Et regarde l'interview, franchement, tu vas adorer. Elle présente bien mieux que moi son ouvrage, évidemment. Et voilà, c'est toute une aventure, c'est à lire, voilà. Mon burn-out, ma descente au paradis, voilà. Donc comme je t'ai dit, en descriptif de la vidéo, tu auras toutes les infos, ok, pour le commander. Dans l'interview aussi, d'ailleurs, il y a ce qu'il faut pour le commander. Comme ça, tu peux pas dire que t'étais pas au courant. Voilà. Et puis, je te le recommande vivement. C'est le genre de bouquin à avoir. Et puis même, pourquoi pas, à distribuer autour de soi. Voilà. Moi, je l'ai acheté. J'en ai offert un à mes parents. Voilà. Un à ma mère. Un à mon père. Voilà. Il faut distribuer ce genre d'ouvrage. Voilà. Bon. Sur ce, comme je te l'ai dit au début, j'espère vraiment que tu vas bien. Mets-moi dans les commentaires, d'ailleurs, peut-être que tu l'as lu, ça se trouve, ce bouquin, peut-être que tu l'as lu suite à l'interview ou alors suite à je ne sais pas quoi. Mets-moi dans les commentaires si tu connais ce livre et puis qu'est-ce que tu en as pensé. Voilà, c'est vachement sympa de partager ce genre de trucs. Moi, je tiendrai Nicole au courant aussi de ses commentaires et ça fait toujours du bien, voilà, de lire comme ça ce genre de choses. Donc voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu connais ce livre, si tu l'as lu, si d'ailleurs tu as peut-être aussi toi des bouquins comme ça que tu recommanderais à des gens. Donc vas-y, partage des infos. Dis-moi, dis-nous quel type de bouquin tu vois, t'aimes bien, qu'est-ce que tu recommandes justement comme lecture. Parce que c'est comme ça, hein, quand on partage, quand on ouvre son cœur, c'est comme ça qu'on s'élève tous. Hein, voilà.
Soyons ensemble, soyons plus forts. Bon, allez, je t'aime. Prends soin de toi. Ose vivre ta vie, paix et amour. Et à très vite. Ciao.